Salut à tous, ici la LPC Productions et on se retrouve pour l'update number, je sais pas combien, ouvert sans le titre. Et donc dans cet update spécial, je vous prie de m'excuser pour ce long mois d'absence, ou même 2 mois d'absence je pense. Je vous préviens que dans ma chaîne, il va y avoir quelques changements. Non, je déconne, il va rien avoir. Donc je vais continuer à faire des customs. Comme vous pouvez voir ici, j'ai pas chômé, j'en ai fait 5 nouveaux. Vraiment bien, bien classe. Dont je vous propose la review tout de suite. Et je veux donc d'abord, je veux vous montrer un projet de mock. You. Voilà, donc c'est un mock qui est en préparation. Je dois attendre les pièces dans pas longtemps parce que comme vous le savez pas. Parce que j'ai une machine à PC, du coup il faut que j'économise et en même temps sur le côté c'est un peu chaud de faire du Lego. Donc voilà, maintenant je vais acheter des pièces bientôt. Comme c'est Noël qui arrive, on va acheter des pièces. Je vais acheter des pièces. Et donc ici je vous présente la review de mes customs, donc de mon Navy Seals un peu plus moderne, je vais dire, donc plus sophistiqué. Inspiré de Zero Dark Thirty, le film, ceux qui l'ont vu. Et ceci, les 4 là, qui ont été inspirés par Act of Valor, c'est le film, un film qui est aussi sur des Navy Seals, vraiment très 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 beau, très très chouette à voir. Donc voilà, ceci c'est une escouade de 4 Navy Seals avec des bougnettes, vous pouvez le voir. Donc, voilà. Et le Navy Seals ici même, là. Qui est lui force spéciale américaine comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, bonne vidéo et on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo. Hello à tous, ici la LPC Production en direct de ma chambre et aujourd'hui comme vous pouvez le voir ici devant, je vais vous présenter un de mes nouveaux custom. Donc voilà, c'est un Navy Seal que j'ai fait il y a longtemps de ça, ou 360. Je vous avais déjà montré la commande Tiny Tactical qui m'a permis de l'acheter. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est un Navy Seals avec un camouflage DevGru. Ici, multicam un peu. Donc je lui ai mis une sorte de M4, c'est une M4 de chez Minific 4 avec un silencieux incorporé, donc je trouve très très belle. Donc ici on peut voir qu'il a une radio avec une antenne pliée. Ici il a 2 chargeurs de M4 de Tiny Tactical avec une veste tactique, un sac à dos ultra light size backpack, des headsets, des poches de d'épaule, ouais, un drapeau américain ici et des lunettes de vision nocturne. Donc voilà, je trouve qu'ils vont très très bien sur lui. Donc voilà, ça c'était mon petit custom. Donc je trouve vraiment bien classe. Voilà. Voilà, donc on est de retour. C'est parti pour mon escouade de Navy Seals avec un map art Woodland. Donc ce sont avec des. Ils sont. En mode donc c'est dans la jungle plutôt, dans la forêt. Oui, donc voilà, ça c'est mon custom, ça c'est le chef des squads. Donc il a une TFDC je pense, enfin une carabine des forces spéciales Delta Force. Il a une veste tactique de chez Break Arms, donc cela c'est le
pour le. Bon, c'est la c'est le plus. C'est celui avec les poches les plus fines. Il a un bougnat que j'ai aussi peint avec un camo éponge Mappart Woodland que je trouve assez bien réussi, comme vous le voyez ici. Donc voilà, ça c'était le chef d'escouade. Ici maintenant nous avons son second, donc avec une veste tactique Rifleman, donc c'est deux carabiniers. Il a aussi un bougnat lui. Ici il a une M4 avec lance-grenade et vise de réflexe. Donc, ils ont tous le Mappart Woodland. Je trouve très très beau aussi. Donc ici on a le sniper. Donc le sniper avec une veste tactique de sniper comme vous pouvez le voir ici. Il a une L96 comme sniper. Donc très très belle. Le chez Minific 4. Le Mappart Woodland comme vous pouvez le voir. Et un pistolet silencieux. Que j'ai peint moi-même parce qu'à la base il est doré, donc pour le recycler je l'ai peint. Donc voilà, ça c'est le sniper. Donc ici nous avons le support, donc l'assaut on va dire, donc le machine gunner. Donc lui il n'a pas de bougnat comme vous pouvez le voir, vous pouvez constater. Il a un casque tactique Darktan, il y a aussi le Mappart. Il possède de lui une M249, là, une M249 SO, donc de chez Brick Arms, donc c'est une LMG avec un chargeur et un bipied. Donc il a une veste tactique. Bon voilà, c'est aussi la veste tactique du carabinier, mais parce que là-bas je voulais faire un autre. Mais donc avec une autre veste, enfin je voulais faire un autre type d'arme, mais voilà. Donc j'ai fait un support. Et donc ça c'est le support, donc avec le Mappart Woodland. Très très beau, je trouve. Donc voilà, vous avez vu toute la vidéo. J'espère que mes customs vous ont bien plu. En tout cas moi je les adore. C'est vraiment été un dur travail de trouver le camouflage, surtout le Mappart ici, le Digital Mappart. Donc ça c'était vraiment très difficile à trouver, mais une fois que j'ai trouvé la solution, je me suis mis à fond, j'en ai fait 4 comme vous pouvez le voir, donc c'est pas rien. Merci de vous abonner, de liker la vidéo, commenter, partager, faites ce que vous voulez avec. Dites-le à vos amis, faites-moi de la pub si vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, sûrement des brickfilms, parce que j'ai envie d'en faire de nouveau. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un like.